son nom soit béni à jamais. Amen. Amen. Nous restons debout. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? Salue ton frère, ta sœur à tes côtés. En lui disant la bienvenue dans la maison du Seigneur. Jacques chapitre 2, c'est le passage qui nous aidera comme point de départ par rapport au message d'aujourd'hui. Jacques, ai-je dit, chapitre 2. Ça vous dérangerait d'être un peu debout pour quelques instants pour lire ce merveilleux livre de Jacques. Chapitre 2, versets 14 à 26. Je pense que vous y êtes et que nous pouvons lire. Jacques 2, 14 à 26. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire pour tout ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par les œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent de peur. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois, la foi agissait avec ses œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi, s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crie à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? C'est la parole de Dieu. Et vous rasseoir. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. La foi chrétienne et les œuvres. C'est ça le thème de notre message. La foi chrétienne et les œuvres. Il est vrai que les réformateurs comme Martin Luther, qui aimait parler de la foi, a considéré, à cause de ces passages, surtout celui qu'on a lu, et bien d'autres, qui concernent ce livre de Jacques, il a considéré cet épître comme étant l'épître de la paille. Pour Martin Luther, c'était l'épître qui soit la plus mauvaise. Pourquoi? Parce qu'elle semblait contredire la thèse que lui soutenait, d'après laquelle on est sauvé par la foi et les œuvres sont inutiles. Il avait raison de dire qu'on est sauvé par la foi et par la foi seule et que ce n'est pas à cause de nos œuvres que nous sommes sauvés, mais il faut faire la part des choses. Pourquoi? Parce que la foi a son importance et les œuvres aussi ont leur importance. Vous êtes là? Alléluia!
La foi est importante, elle a son importance, dis-je. Les œuvres aussi sont importantes quant à ce qui concerne le vécu de notre foi chrétienne. En fait, nous disons la vie chrétienne et les œuvres. Parce qu'une fois que nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus enfants de Dieu. Pas parce que nous avons fait je ne sais quelle œuvre donnée pour être sauvés, mais parce que nous avons cru qu'il est mort et ressuscité. Parce que le fait de croire que Christ est mort et ressuscité pour moi, c'est ce qui est imputable au salut. C'est ce qui nous donne la possibilité d'être sauvés. Je sais, Christ est mort pour moi. Il a été crucifié, il a été enseveli, il est ressuscité et il vit. C'est Christ-là que je confesse, c'est bien mon sauveur et mon maître. Alléluia. La Bible dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut et c'est en confessant de sa bouche qu'on est sauvé. Amen. En fait, les œuvres, c'est quoi? Les œuvres, c'est tout ce que nous faisons qui est bon, qui honore le Seigneur par rapport à notre foi ou qui vient soutenir notre foi. Parce que le passage qu'on a lu de Jacques 2, 14 à 26, permet de dire que la foi est importante, les œuvres aussi sont importantes, mais le lien entre les deux, c'est que la foi sans les œuvres est morte. Ça, il faut les soutenir. La foi sans les œuvres est morte parce qu'il n'est pas possible qu'on puisse être enfant de Dieu et ne pas réaliser les bonnes œuvres. On ne peut pas dire « je suis sauvé » et ne pas réaliser les œuvres qui honorent Dieu. Alléluia. Ce n'est pas possible. Donc les œuvres viennent appuyer le témoignage que nous sommes qui ? Enfants de Dieu. Les œuvres attestent que notre foi, c'est une foi authentique. Nous avons cru à Dieu et que nous sommes réellement ces hommes et ces femmes qui ont été touchés par le Seigneur, qui ont reçu cette vie-là qui permet de dire qu'ils sont sauvés. Ils sont devenus enfants de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, on ne vit pas comme un homme de ce monde. On ne se comporte pas comme les hommes de ce monde, mais on se comporte comme celui-là qui a été transformé par l'Esprit de Dieu. Les bonnes œuvres, c'est le sacrifice de soi. Et nous le faisons pour la gloire de Dieu. Les bonnes œuvres, c'est au fait, c'est dépenser son temps, dépenser son énergie, dépenser son argent, dépenser son bien pour honorer le Seigneur. Toutes les bonnes œuvres honorent d'abord Dieu. Toutes les bonnes œuvres ont comme consommateur Dieu d'abord. Alléluia. Vous êtes là. C'est d'abord Dieu qui est le consommateur de toutes nos bonnes œuvres. Ensuite, on peut parler de notre prochain à qui nous pouvons venir en aide par le fait de lui apporter consolation, par le fait de lui rendre visite dans le cas d'une visite fraternelle, par le fait de contribuer à un problème qu'il a. Là, nous participons aux bonnes œuvres qui font que ces frères-là puissent être aussi les consommateurs de ces œuvres. Nous réalisons nos bonnes œuvres en soutenant l'œuvre de Dieu. On le sait. Nous réalisons les bonnes œuvres en aidant les nécessités. Nous réalisons les bonnes œuvres en venant en aide à la personne qui est au coin de la rue, qui ne cesse de quémander tous les jours. Pour certains même, ils dépendent de la solidarité des autres pour pouvoir vivre. Et Dieu sait qu'il est incapable peut-être de travailler. Et que le fait de quémander à gauche, à droite, c'est ce qui lui donne la vie, l'espérance. Et le Seigneur demande que ses enfants viennent en aide à ces gens-là. Point au besoin de se comporter comme les gens du monde qui disent que certaines personnes qui nous demandent l'argent, ils ont des pouvoirs magiques, pouvoirs occultes, tels qu'ils peuvent soutirer quand tu lui donnes, c'est pas
500 francs et que tu en avais 20 000 dans la poche, il va soutirer les autres les 19 500 qui étaient restos. Ça, c'est penser ou réfléchir comme les gens de ce monde qui n'ont ni foi, ni loi, ni Dieu. Alléluia. Quant à nous, nous obéissons à notre maître qui nous a dit que nous puissions faire de bonnes œuvres, que nous puissions faire les bonnes choses. Pourquoi? Parce que cela honore le Seigneur. Alléluia. Pendant cette période où nous pensons et nous nous préparons aux actions de grâce, il est bon que tu comprennes que les actions de grâce, c'est une bonne œuvre que nous réalisons pour la gloire de qui? De Dieu. Mais nous ne limitons pas nos actions de grâce que par le fait d'apporter dans notre panier. Les bonnes œuvres, on ne limite pas par le fait d'apporter nos offrandes et nos dîmes. Encore faut-il bien lire la Bible et comprendre comment orienter les choses, comment donner sa dîme, comment donner son offrande. Parce que nous ne nous donnons pas pour satisfaire quelqu'un. Nous ne nous donnons pas pour nous satisfaire nous-mêmes. Mais nous donnons d'abord pour pouvoir honorer Dieu. Nous donnons pour glorifier le Seigneur. Nous donnons pour que le Seigneur se rende compte que nous obéissons à sa parole. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons en nous la semence de vie. C'est pour cela que faire les bonnes œuvres signifie simplement pour nous honorer le Seigneur. Alléluia. C'est honorer notre Dieu. Nous faisons aussi les bonnes œuvres en visitant les prisonniers et les malades dans des hôpitaux ou dans des maisons, en assistant les veuves et les orphelins, comme cela nous est recommandé par la parole du Seigneur, mais aussi en soutenant les étrangers. Parmi les gens auxquels nous devons venir en aide bibliquement, il y a aussi les étrangers, parce qu'on considère les étrangers comme les gens qui n'ont pas les droits de terre, donc qui ne cultivent pas, qui n'ont pas de richesses bibliquement parlant, même si nous voyons que beaucoup d'étrangers sont plus riches que nous, mais bibliquement on nous demande de venir en aide à ceux qui sont étrangers. À ceux-là aussi qui sont dans le besoin. À mon frère qui est à mes côtés, qui est mal habillé ou qui manque la nourriture, je suis appelé à lui venir en aide. Venir en aide, quand on dit soutenir l'œuvre de Dieu, on voit tout ce que nous pouvons faire. Allant de l'évangélisation, c'est aussi une bonne œuvre. Alléluia. À évangéliser, gagner une âme à Christ, c'est aussi une bonne œuvre qui rentre dans le cadre de notre foi. Cela implique, toutes ces bonnes œuvres, que nous devons apprendre à prier. Simplement, à prier pour ceux qui sont perdus, pour que Dieu puisse les amener au salut. Prier pour ceux qui souffrent, pour que Dieu leur apporte la consolation, la paix et la guérison. Mais aussi, annoncer cette bonne nouvelle. On ne doit pas prier simplement pour que les gens soient sauvés, mais on doit aussi prier pour que, on doit aussi annoncer la bonne nouvelle, mais aussi venir en aide ou assister ceux qui sont dans le besoin. Les bonnes œuvres, je l'ai dit, ce n'est pas ce qui conditionne notre salut. Il faut bien lire maintenant l'épître de Paul aux Éphésiens, par exemple, où au chapitre 2, versets 8-9, ou encore Romains, chapitre 10, par exemple, qui mettent l'emphase sur le salut. C'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Et c'est en confessant de sa bouche, confesser que Christ est le Seigneur et le Sauveur, qu'on parvient à la vie. Alléluia. Les bonnes œuvres ne sauvent pas en elles-mêmes, mais elles ont un impact réel sur notre vie, sur notre foi. Les bonnes œuvres conditionnent aussi notre récompense auprès de notre Dieu. Il y a des choses qui sont importantes. Jacques a pris soin de les mettre l'une à côté de l'autre. La foi et les œuvres. La foi, c'est ce qui nous amène au salut. Je peux répéter et le dire d'une autre manière. Grâce à la foi,
nous sommes sauvés. Nous sommes ceux-là qui sont candidats à la vie éternelle. Et nous n'allons pas passer vers la mort éternelle. Ça, c'est la foi. Mais les œuvres, elles nous préparent pour obtenir la récompense. Une récompense qu'on peut avoir pendant que nous sommes en vie sur cette terre, ou encore une récompense que nous aurons quand nous serons près du Seigneur. Alléluia. La récompense. Je dis bien, les œuvres nous préparent pour être récompensés. C'est pour cette raison que lorsque je donne mon offrande, je peux m'attendre à être récompensé par Dieu. Quand je le fais de tout mon cœur, lorsque j'évangélise, je peux m'attendre à être récompensé. Lorsque je viens le matin ici, je vois des gens qui balayent les temples. Ils doivent s'attendre aussi à être récompensés par le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils viennent travailler pour sa gloire. Ils travaillent pour rendre les temples propres. Il y a des récompenses qui nous attendent par rapport à ces siècles présents, mais aussi par rapport aux siècles à venir. Vous êtes là? Nous avons des récompenses dans ce sens. J'ai dit que les bonnes œuvres, c'est ce qui conditionne les récompenses que nous recevons, les bénédictions que nous recevons. La majeure partie des bénédictions que nous recevons de la part de Dieu dépendent de quoi? Hein? Des bonnes œuvres. Voulez-vous dire amen? Tous ceux qui reçoivent des bénédictions financières commencent d'abord par poser des actes qui amènent Dieu à les bénir financièrement. Il y en a qui ont reçu des dons spirituels simplement parce qu'ils ont beaucoup investi dans la vie spirituelle. Par la vie de prière, par le fait d'aller prier pour les malades. Alors, à force d'aller prier pour les malades, Dieu se rend compte que tu aimes les malades, tu obéis à sa parole et il peut te donner les dons de guérison. Alléluia. C'est cela. Tu ne cesses de prier, d'intercéder pour les membres de l'Église, pour leurs problèmes, pour que Dieu les aide à grandir dans la foi. Et Dieu peut te donner les différents dons spirituels. Peut-être les dons de la foi, peut-être les dons de miracles, peut-être les dons de paroles de connaissance et bien d'autres. Pourquoi? Parce que tu dois t'en servir dans l'exercice de ton ministère. Vous voyez? Par ce que je viens de dire, nous pouvons conclure que la majeure partie des bénédictions que nous recevons de la part de Dieu sont liées au fait que nous posons et nous réalisons quoi? Des bonnes œuvres à l'honneur de notre Dieu. Voilà pourquoi les bonnes œuvres sont importantes. Même si Martin Luther a beaucoup combattu cela jusqu'à appeler l'épître de Jacques comme étant celle de la paille. La foi procure les saluts, ai-je dit, mais les œuvres procurent les récompenses de la part du Seigneur. Toutefois, la foi chrétienne, dans la foi chrétienne, notre vie chrétienne, notre espérance est liée au fait que les jours où nous allons quitter cette terre, peut-être quand nous serons enlevés, parce que tout le monde attend maintenant l'enlèvement et non la mort, ou encore, lorsqu'on va mourir, parce qu'en attendant l'enlèvement, il y aura toujours la mort chaque jour. Alors, quand nous allons entrer dans la gloire, dans le royaume des cieux, il y a une chose qu'il faut bien retenir. C'est que ces deux choses, les deux valeurs, que je les présente comme telles, la foi chrétienne se focalise sur ces deux valeurs. La foi et quoi? Hein? Les œuvres. Alléluia. La foi chrétienne se focalise sur ces deux valeurs. La foi et les œuvres. La foi pour le salut et les œuvres pour notre récompense. Chaque jour, nous entretenons notre foi en menant une vie sanctifiée. Nous entretenons notre foi en lisant la Bible. Nous entretenons notre foi en cherchant à être en communion avec notre Dieu. Mais pour ce qui concerne les bonnes œuvres, nous sommes appelés
non pas les entretenir, mais plutôt à les réaliser chaque jour de notre vie. Et la vie chrétienne, en grande partie, c'est une vie qui est vécue pour les bonnes œuvres. Nous la vivons pour les bonnes œuvres. La foi qui mène au salut, nous en avons, nous posons cette foi-là, nous vivons cette foi-là en une fois. Puis on est sauvé, une fois, ça suffit. On continue. Puis on continue à vivre pour entretenir notre foi, de façon à ne pas perdre notre salut. Mais quant aux œuvres, c'est ça toute notre vie chrétienne. Vous savez, en venant ici, vous avez fait quelque chose qui est bien, qui rentre dans le cadre des bonnes œuvres que nous devons faire à l'honneur de notre Dieu. Vous êtes venus au culte. Le culte, c'est le premier service chrétien. C'est la toute première œuvre que tu puisses faire à l'honneur de ton Dieu. C'est le louer, l'adorer. Alléluia. C'est le servir tous les jours de ta vie. C'est le premier service chrétien. Tu es venu au culte. Tu es venu rencontrer ton Dieu. Et chaque jour, nous devons vivre avec cette idée-là de réaliser des bonnes œuvres à l'honneur de notre Dieu. Et si le diable nous tente à tout moment, c'est par rapport à ces deux valeurs, la foi et les œuvres. Il nous tente en grande partie pour nous empêcher d'être sauvés, pour nous conduire, nous inciter à avoir un comportement qui nous permettra ou nous facilitera la perte du salut. C'est ça ce que le diable fait. Le premier objectif ou l'objectif ultime, suprême de la tentation, c'est pour nous éloigner de Dieu et nous faire perdre le salut. Mais aussi, il ne veut pas à ce que nous puissions réaliser de bonnes œuvres à l'honneur de notre Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui réalise les bonnes œuvres, honore son Dieu. Alléluia. Quand tu fais une bonne œuvre, tu honores ton Dieu. Tu réjouis le cœur de ton Dieu. Tu réjouis l'âme de ton Dieu. Or, le diable ne veut pas que tu puisses faire quelque chose pour te mettre en communion avec Dieu, pour que Dieu puisse se réjouir à ton sujet. J'aimerais que nous lisions un passage sur ce que le Seigneur est en train de nous dire dans le livre des Corinthiens, chapitre 3, versets 12 à 15. 1 Corinthiens, chapitre 3, et je dis, versets 12 à 15. Nous pouvons les chercher, je pense que le frère l'a déjà placé au tableau. 1 Corinthiens 3, 12 à 15 dit « Or si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, de pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera comment hein? Manifestée. » Arrêtez d'abord. Faites descendre un peu le verset 12. C'est bien dit. Le verset 12, faites descendre s'il vous plaît. Si quelqu'un bâtit sur ses fondements, vivre la vie chrétienne, c'est au fait bâtir. Nous sommes chaque jour en train de faire quoi? En train de bâtir. Nous bâtissons sur ses fondements qui se trouvent être Jésus-Christ lui-même. Et maintenant, comme c'est sur Jésus que nous bâtissons, à nous de décider quel genre de matériaux nous devons utiliser. Quand nous savons que nous bâtissons sur un fondement qui est divin, un fondement qui se trouve être Jésus-Christ lui-même. Vous êtes là? À toi de choisir quel genre de matériaux tu dois utiliser pour bâtir dessus. On dit qu'il y en a qui utilisent, on parle de quelqu'un, il est là, c'est quelqu'un-là, utilise quoi? L'or, l'argent. Les pierres précieuses, mais aussi utilise du bois. Le bois aussi est important, non? Le bois est important.
Les bois symbolisent, dans la vie chrétienne, généralement, les bonnes œuvres. Remettez-nous le texte, s'il vous plaît. Et on dit que si quelqu'un bâtit sur cette œuvre et qu'il utilise ainsi tous ces matériaux, l'or, l'argent, tout ce que nous avons là, la Bible dit, l'œuvre de chacun sera manifestée. Le bois, c'est quelque chose de valeur, parce qu'il symbolise aussi les œuvres d'un chrétien. Mais le foin, ce n'est pas quelque chose de bonne valeur. Les chaumes, bibliquement, ce n'est pas quelque chose de bonne valeur. Et on dit que l'œuvre de chacun sera manifestée. Donc, à toi de choisir avec quel genre de matériaux tu dois bâtir sur cette œuvre qui se trouve être qui ? Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons revenir sur ce passage. Le Seigneur est clair sur ce plan. Vivre la foi chrétienne et faire les bonnes œuvres, c'est bâtir sur ce fondement qui se trouve être Jésus-Christ avec des matériaux différents. Tout dépend de la façon dont il valorise ce fondement, cette fondation. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour ta famille? Qui est Jésus pour ta nation? Et quel genre de matériaux tu dois utiliser pour pouvoir bâtir sur Jésus, pour bâtir l'œuvre du Christ? Quelles valeurs les matériaux que tu utilises ont-elles? Est-ce que ce sont des matériaux de grande valeur ou des matériaux du type foin ou encore chaume qui peuvent être facilement emportés par le vent ou par le feu? Très facilement. Revenons sur un autre passage avant de continuer sur 1 Corinthiens chapitre 3, versets 12 à 15. Luc chapitre 6, verset 38, nous dit quelque chose. Je me souviens de pasteur Mavungu qui nous parlait souvent de ce passage. Luc chapitre 6, verset 38. Ça nous dit ceci. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Voilà. Lorsqu'on parle des bonnes œuvres, on nous dit donnez et il vous sera donné. Parler des actions de grâce, c'est aussi nous amener à apprendre à donner. À donner, pourquoi? Parce qu'il nous sera aussi donné. Je vais te dire que tout ce que tu donnes, si toi tu peux même oublier ce que tu as donné, ton Dieu ne l'oublie pas. Si tu ne sais pas la portée de ce que tu fais, ton Dieu connaît bien la portée de tous les actes que tu poses, de tous les sacrifices que tu consentis. Et il ne l'oubliera jamais. Et c'est ce que je me dis souvent, que le jour où nous serons devant le Seigneur, il y a des choses qu'il va nous dire et des récompenses qu'il va nous donner, à telle enseigne qu'on va se poser les questions, Seigneur, est-ce que je mérite ça? Mais dis oui. Il va te dire, mais oui, tu mérites ça. Voici tel jour, tu étais à côté d'un malade, d'une personne que tu ne connaissais pas, mais tu as dû dépenser de ton argent pour l'aider à aller à l'hôpital. Et il est allé se soigner. Grâce à toi, cette personne qui allait mourir n'est pas morte, mais elle a continué à vivre. Si elle était morte, elle ne m'aurait pas connu. Mais comme elle a continué à vivre, elle a eu la possibilité de me connaître. Mais toi, tu ne sais pas que c'est grâce à toi que cet homme est sauvé. Alors, cette récompense t'est donnée. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire bien amen? Nous serons étonnés de certaines choses. Ce qu'il te faut, c'est de vivre comme un chrétien, un enfant de Dieu né de nouveau, qui a la foi, cette foi-là qui lui a permis d'avoir le salut, mais aussi qui accomplit les bonnes œuvres qui viennent en appui à sa foi. Et c'est ce qu'il doit donner au Seigneur d'abord,
de reconnaître que nous sommes à lui. Les serviteurs de Dieu qui nous a déjà quittés, Mavungu, quand il parlait de ceci, il disait souvent, ça sera une mesure secouée. Et il bougeait là. Secouée. Alléluia. C'est comme s'il donnait l'image d'un sac dans lequel on met, par exemple, les cossettes de manioc. On a rempli, vous voyez que c'est rempli, mais on peut encore secouer. On peut encore donner des coups. Et puis, ça va donner de l'espace. On ajoute encore. Et je veux que ce soit les gens de bénédiction que le Seigneur va te donner. Voilà. Ça, ce n'est que rien. Ce n'est que rien. Nous attendons avoir peut-être des voitures, des maisons, des enfants, des grades, là où nous travaillons, et bien d'autres choses par rapport à notre vie sur cette terre. Mais je te dis que quand nous serons devant le Seigneur, ça sera vraiment bien une mesure bien secouée que le Seigneur va t'accorder. Alléluia. Crois-le. Tu peux oublier, comme je l'ai dit ici, ce que tu fais. Mais ton Dieu ne l'oubliera jamais. Toutes les bonnes œuvres que tu réalises, ton Dieu ne l'oubliera jamais. Et au ciel, il va t'accorder la récompense. Alléluia. C'est important. Et nous revenons sur notre Corinthien. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 12 à 13, qui nous amène à dire que nous devons savoir faire des bons choix. Des bons choix par rapport aux matériaux que nous devons utiliser pour la gloire de notre Dieu, parce qu'il s'agit bien de lui, le Christ, notre Sauveur. La pauvre veuve a fait un bon choix. Le Seigneur nous a dit dans sa parole, la parabole, pas une parabole, mais le jour où il parlait de la pauvre veuve à la porte du temple, à la sortie, qu'elle avait donné plus que tout le monde. Donc en fait, devant Dieu, on peut être pauvre et donner plus qu'un riche. Tout dépend de quoi? Du cœur, de l'attitude du cœur, de comment on donne. Les riches ne donnent jamais pour s'appauvrir. Le pauvre veuve était déjà veuve, mais elle a continué à s'appauvrir. Elle a donné pour s'appauvrir. En fait, c'est ça la réalité de la vie chrétienne. Nous faisons les bonnes œuvres. Nous donnons nos actions de grâce. Nous donnons nos offrandes. Nous donnons nos dîmes, pas pour que nous puissions nous enrichir à notre manière, en fait, par rapport à ce que nous avons. C'est ce que fait les riches. Il peut avoir 1 million, mais il prend juste 1 000 et puis il vient, il donne. Les gens vont acclamer, « Oh, il a donné 1 000 !» Mais chez lui, ça ne lui dit rien, parce qu'il en a assez. En fait, le chrétien, lui, donne pour s'appauvrir. Il donne pour donner gloire à Dieu. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ont donné tout leur salaire. Ils ont accepté de s'appauvrir pour la gloire de Dieu. Combien de fois nous n'avons pas fait ces choses? Les actions de grâce approchent et tu choisis de donner tout ton salaire, tout ton revenu du mois, tu donnes à Dieu, quel qu'il soit. Tu le donnes à Dieu. Parce que c'est ça, je suis chrétien. Je ne cherche pas à m'enrichir à ma manière, mais je veux que mon Seigneur me bénisse pour m'enrichir. Alléluia. Les chrétiens ne cherchent pas à s'enrichir lui-même, mais il veut que la richesse qu'il reçoive puisse être les dons de Dieu. C'est ce que Dieu te donne. Ce que Dieu me donne, voilà qui me permet de m'enrichir. Si je peux avoir une moto, c'est parce que c'est une bénédiction de Dieu. Si je peux avoir un stylo, c'est parce que c'est une bénédiction de Dieu. Si je peux avoir quelque chose dans un compte à banque, c'est parce que Dieu me le donne. Ce n'est pas parce que je fais mes calculs à ma manière, mais parce que Dieu me le donne. Alléluia. C'est ça être enfant de Dieu. C'est être chrétien. Nous ne vivons pas parce que nous avons tellement un cœur sur les biens, les trésors de ce monde. La Bible dit que là où se trouve ton trésor, là où sera ton cœur. Notre trésor à nous, c'est Jésus-Christ.
notre trésor à nous, c'est la vie éternelle en Jésus. Notre trésor à nous, c'est qu'en Christ, nous serons récompensés après avoir réalisé bien d'œuvres sur cette terre. Alléluia. Ainsi, si le ciel est notre trésor, si Jésus est notre trésor, donc notre cœur n'est pas sur cette terre. Notre cœur est où c'est? Auprès du Seigneur. Là, nous serons des demeures auprès du Père. Parce qu'il a dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison du Seigneur. Alléluia. Il est déjà parti pour nous les préparer. De sorte que là où il est, nous aussi, nous y soyons le moment venu. Nous avons Marie et Marthe comme un deuxième exemple à donner à côté de la pauvre veuve. Marie a choisi une bonne part d'après Christ qui ne peut pas lui être donnée. Pourquoi? Parce que Marie a fait une œuvre de foi. Alors que Marthe a fait une œuvre simple. En fait, Marie a agi par la foi. Cette foi-là qui sauve, elle a cherché le salut par la foi. Ce que Marthe a fait est bon, mais c'est une œuvre pour laquelle, s'il n'a pas la récompense sur cette terre, elle aura la récompense où c'est? Auprès du Seigneur au ciel. Les deux ont bien agi. Mais Jésus-Christ dit que ce que Marie a fait est plus important que ce que Marthe a fait. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire toutes les bonnes œuvres du monde, mais si vous n'êtes pas sauvé, vous n'aurez aucune récompense. Vous entendez ça? Ils sont nombreux, ceux-là, qui font de bonnes œuvres. On les entend même à la télévision. Ah, il y a un match de léopard. Tel monsieur a donné autant. Tel autre a promis de donner autant de milliers de dollars à celui qui va marquer un but. Tel autre a soutenu le léopard. Quand il aura victoire, il aura ça. On cite les noms des gens. En fait, ces gens-là ont déjà leur récompense sur cette terre. Ils ne peuvent pas s'attendre par rapport à ces œuvres-là à recevoir la récompense auprès de Dieu. Pourquoi? Parce que les récompenses que nous recevrons auprès de Dieu concernent les œuvres qui sont pures, les œuvres que nous aurons posées sur cette terre pour lesquelles nous ne cherchons pas à tirer une quelconque gloire. Vous entendez? Si je fais quelque chose, je ne veux pas que les gens sachent que c'est moi qui ai fait. Dieu s'en réjouit. Mais quand je fais quelque chose, et je voudrais que tout le monde le sache, je commence à claironner au point que tout le monde sait que c'est moi qui ai fait la chose, oui, j'aurai une récompense. Très sûrement, la récompense que j'aurai, c'est la gloire auprès des hommes. Point barre. Mais auprès de Dieu, tu zéro. Rien n'en résultera. Alléluia. Aucune récompense auprès de Dieu. Ne recevront de récompense au ciel auprès de Dieu que ceux-là qui auront fait ces œuvres pour lesquelles ils n'auront fait aucun bruit sur terre. Les récompenses pour lesquelles ils ne chercheront aucune gloire parmi les hommes. Mais ils auront fait cela pour la gloire et l'honneur de qui? De leur Dieu. Alléluia. La gloire et l'honneur de leur Dieu. Alors quand nous serons là auprès du ciel, auprès du Seigneur, ceux qui entreront dans le royaume de Dieu, ceux qui seront au ciel, ceux qui seront sauvés, c'est ceux-là qui seront sauvés parce qu'ils ont la foi. Voilà pourquoi Christ a insisté que Marie a choisi quoi? Hein? La bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Quand on est sauvé, on est sauvé. Alléluia. La foi conditionne ou va conditionner au ciel la réception des récompenses. Si tu n'es pas sauvé parce que tu n'as pas la foi, quand tu vas quitter la terre, tu vas en enfer, quelles que soient les bonnes œuvres utiles, acceptables, que Dieu aura agréées sur cette terre, que tu auras accomplies, tu perdras et le ciel
et la récompense. Il y a un serviteur de Dieu qui a reçu des révélations sur l'enlèvement. C'était au cours des années 70. Ce serviteur-là a vu comment l'enlèvement va se faire. Dieu lui a montré toutes ces choses et Dieu lui a dit en définitive qu'il y en a qui vont perdre la récompense, qui auront été les enfants de Dieu, qui auront fait des choses qui réjouissent les cœurs de Dieu, mais finalement ils ont perdu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés entraîner par les choses de ce monde. Mais quant à leur récompense, leur maison au ciel, le Seigneur lui montre, regarde la maison de celui-là. Il aurait été ici, mais il a perdu cette maison. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu au ciel. Il est allé en enfer. Et sa maison est ruinée par la teigne détruite par les lézards qui montaient. Je n'ai pas eu le temps de chercher, je pouvais voir dans la Bible. La Bible même dans l'Ancien Testament parle de ça. Votre récompense au ciel sera détruite. Si tu n'entres pas au ciel, ce qui est là sera détruit. Mais écoutez, vous êtes là. Écoutez bien. Ne peut avoir au ciel une maison que celui-là qui a déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous entendez ça? Et comprenez encore. Ne peut être inscrit dans les livres de vie que celui-là qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Ne peut avoir auprès de Dieu dans les livres de souvenirs que celui-là qui est déjà enfant de Dieu et qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Cela revient à dire que si tu es sorcier, cela revient à dire que si tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, cela revient à dire si tu n'es pas encore enfant de Dieu et que ton nom n'est pas inscrit dans les livres de vie, tu peux faire de bonnes choses, même sans crier sur les toits, Dieu ne te connaît pas et Dieu ne connaît pas tes œuvres. Dieu te dira, je ne vous ai jamais connu. C'est dès le moment où nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur qu'une page de vie est ouverte dans le livre de vie. Une page est ouverte sur le livre des souvenirs. Une page est ouverte dans tous les livres que Dieu tient nous concernant. Alléluia. Commence par là. Tous ceux qui font de bonnes choses, qui vont donner l'argent dans des hôpitaux pour que les malades puissent sortir, sans même les dire aux gens, ils les font de bon cœur. Dieu ne les connaît pas. Dieu ne connaît même pas leurs œuvres. L'ABC, c'est d'abord quoi? Donner sa vie à qui? À Jésus-Christ. Et vous devez le faire. Ce n'est qu'un passage obligé. La récompense future est conditionnée par notre salut. Car sans le salut, il n'y a pas de vie. Dans le cas contraire, l'Esprit de Dieu ne nous aurait pas incité à donner. C'est l'Esprit de Dieu qui nous incite à donner. Parce qu'il sait que nous avons des récompenses à recevoir auprès du Seigneur. Je vais vous citer rapidement avant de finir ce que l'Apocalypse est en train de dire. Nous n'aurons pas le temps de le lire. Apocalypse fait étalage des récompenses à recevoir auprès du Seigneur. Au chapitre 2, verset 7, il dit que à ceux qui vaincront, je donnerai quoi? À manger l'arbre de vie qui est dans le paradis. L'arbre de vie, c'est ce que vous allez manger. Et quand vous le mangez, c'est le dernier cachet à mettre sur votre âme pour que vous puissiez vivre éternellement. Alléluia. Au chapitre 2, toujours Apocalypse, verset 11, le vainqueur n'aura pas à souffrir la seconde mort. Voilà aussi une récompense. Au verset 17 de ce même chapitre 2, il aura la manne cachée. Mais il aura aussi les cailloux blancs avec un nom nouveau qui est placé sur ces cailloux, parce que nous portons beaucoup de noms qui ne signifient rien pour Dieu, qui n'ont peut-être pas un rapport avec notre foi chrétienne, notre relation avec Dieu. Voilà pourquoi il va nous donner un nom nouveau
qui réjouit son cœur.